On les qualifiait de naïfs. Qui étaient vraiment ces peintres à l'inventivité inépuisable, grands oubliés de l'histoire de l'art de l'entre-deux-guerres, qui ont pourtant marqué leur époque avec leurs œuvres aux couleurs éclatantes et leur univers rêveur et insolite? Parmi eux, en tête, marchent fièrement Henri Rousseau et Séraphine Louis, suivis discrètement par une constellation d'artistes méconnus du grand public. André Beauchamp, Camille Bombois, Ferdinand Desnos, cousin du poète Robert Desnos, Jean-Ève, René Rimbert, Dominique Perronnet et Louis Vivin. À travers une centaine d'œuvres, le musée Mayol lève le voile sur la dimension subversive de leurs toiles étonnantes, eux qui ont réussi à sortir du cadre, à contre-courant des avant-gardes. Ils ne sont pas peintres de métier ni même de formation, mais plutôt facteurs, imprimeurs, lutteurs de foire. Leurs peintures sont réalisées dans l'atelier improvisé de leur maison, à l'abri des regards contrariants des critiques d'art. Pourtant, certains s'aventureront dans des salons d'art, bravant le regard moqueur de la grande majorité du public face à leurs œuvres jugées mal finies, peut-être aussi maladroites. Mais certains seront repérés par des personnalités et non des moindres, comme André Breton, Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, Le Corbusier, Dina Virny, fondatrice du musée Mayol, ou encore Wilhelm Hude, collectionneur et critique d'art qui fut l'un de leurs plus fervents défenseurs et à qui l'on doit aujourd'hui cette très belle exposition. Wilhelm Hude fut en effet l'un des éclaireurs du cubisme, défenseur du douanier Rousseau, révélateur de Séraphine Louis bien des années plus tard. Nous sommes ici littéralement plongés au cœur de l'imaginaire troublant de ces artistes, à l'écart aussi bien des avant-gardes que des académismes, guidés par leur obsession du détail et perturbés par leur perspective, il faut le reconnaître, quelque peu décalée. Leur sujet reste classique, nature morte, scène de vie, paysages et portraits, mais traités de manière totalement originale. La raison, eh bien, ils sont marqués par l'essor de l'imprimerie de masse, ces reproductions, vous savez, ouvrages illustrés ou cartes postales, qui constituent une bibliothèque d'images totalement nouvelle à l'époque. La Première Guerre mondiale aussi les aura marqués avec son lot ignoble de victimes et ses dégâts sur les survivants. Ils nous livrent finalement, ces artistes, un patchwork de l'imagerie populaire de l'époque, non sans humour pour certains, un regard singulier qui n'a d'enfantin que la maladresse du trait, et encore. 9 artistes réunis ici aussi bien autour de leurs thèmes communs que dans des espaces solos. Le douanier règne évidemment en maître. À ses côtés, les bouquets flamboyants de Séraphine semblent jaillir de la toile comme une explosion intérieure. Le trait précis de Perronnet pour son Styx nous fascine. Les chats de Louis Vivin nous hypnotisent. Rimbert nous propose une splendide envolée sur les toits de Paris. Vous l'aurez compris, ces primitifs modernes, comme les avait nommés Hude, n'ont de naïf que le nom.